chérie. Oui. Depuis qu'on est ensemble là, jusqu'à aujourd'hui là, tu n'as pas pensé à donner ma dot. Non, ma chérie, on a tout le temps. On a tout le temps pour ça. On a tout le temps. Je travaille. Je contribue avec toi pour les charges de la maison. Quelle garantie ça me donne? Qui me dit que demain tu ne vas pas me chasser de la maison pour me dire que tu as trouvé une autre? Non, chérie, tu sais, avec toi, je ne peux pas te renvoyer. Et aussi, j'ai une surprise pour toi. Tu vois la maison, je vais changer la maison, je vais mettre carreaux partout. Ce n'est pas ma maison, hein. Moi, je vais engager ça pour le propriétaire. Okay. Je t'arrête tout de suite. Comment se fait-il que depuis 2 mois que je suis en train de payer le loyer, le propriétaire est venu ici hier soir, soit disant qu'on doit 3 mois de loyer? Ah, donc il était là hier pour réclamer le loyer. Ah, non, fallait lui dire que moi, je cotisais l'argent chez moi. Comme il a amené l'argent à la banque, moi, je vais cotiser l'argent chez moi. Pour que, moi, je vais arranger la maison, toute la maison. Abyss, tu veux tout le temps parler? Oh, le prof, mais je l'ai appelé, je l'ai tout expliqué. Tu lui as expliqué quoi? Il faut que je garde l'argent pour c'est lui. Son argent, c'est son dû. Chérie, tu ne vois pas que quand le propriétaire vient ramasser les sous ici, c'est pour aller boire. Non, moi, je le sauverai. Il faut que je lui garde l'argent. Regarde la maison, on doit arranger la maison. On doit mettre carreaux partout. Mais au dehors, je dois mettre carreaux au dehors. Ça, c'est coupé encore. Est-ce que... ah. Ils ont coupé l'eau aussi. Ils ont coupé l'eau. Ils ont encore coupé le courant. Chaleur. Moi, je ne supporte pas trop la chaleur. Ah, quelle chaleur, chérie. Il n'y a pas eu coupure. Hein. En venant tout à l'heure, là, j'ai rencontré les gens de la SBE, compteur, mais ils sont venus enlever le compteur. Ah non, 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 c'est pas possible, non. On a remis l'argent à notre voisin Abyss, non. Donc il devait payer depuis. Votre voisin, là. Comment ça? Comment est-ce qu'il viendra? Ils sont venus enlever le compteur. Hein. Ah. Abyss, oh. C'est qui encore? On lui a remis notre part. Vas-y. Ah, ils ont coupé. Ah, vas-y, comment tu vas? Ça va. Ça va. Adam, vous êtes dedans? C'est quoi? Tu as encore préparé? On a déjà mangé, on ne veut pas manger. On n'est pas venu pour ça. Justement, on n'est pas venu pour ça. On t'a donné notre part d'électricité, d'eau. Mais pourtant... parce qu'il y a coupé. Non, c'est comme ça, est-ce bien de le couper courant partout, hein? Ils vont ramener le courant tout de suite. Ils vont ramener quel courant? Alors qu'en rentrant tout à l'heure, moi j'ai vu les gens de la SBE venir enlever le compteur qui dit c'est ça. Et comment ils vont enlever l'argent? Bébé, toi tu as payé. Tu as payé. En fait, je cotisais tout cet argent-là pour arranger la maison. Ouais, comment la maison? Je veux mettre carreaux partout. Je veux mettre crime dans ta chambre. Ce que moi je ne comprends pas là. Hein. C'est ta maison. Ça m'étonne. Hein? Et tu dis tu veux mettre carreaux, tu veux mettre. On t'a demandé crime. Mais tu veux mettre crime dans la chambre de qui? Si vous voulez. Tu es l'enfant du propriétaire ou bien quoi? Si vous ne voulez pas. Si vous ne voulez pas que j'arrange la chambre, la maison, je vais prendre l'argent pour aller payer LSBE. Oui, ah, c'est l'argent d'SBE, non? C'est l'argent d'SBE, non? Ok, ok, si je vais aller payer ça non, demain. Hey, chérie, attends, ce qu'on va faire là, si dès ce soir, on n'a pas le courant, on n'a pas l'eau, on va sortir de la maison. Moi, je travaille à LSBE. Voisin, ne t'inquiète même pas, il ira payer tout de suite. C'est mieux, madame. C'est mieux pour merci vous. Merci beaucoup, madame. On va pas mourir dans la chambre. Si la chambre est comme ça, la maison est comme ça, c'est pas oui, à ma faute. Il faut que ça reste comme ça. En attendant, là, il faut que l'SBE vienne mettre le compteur. Pourquoi quand je parle, il ne me croit pas? Bébé, vas-y, tu es un homme. Tu ne veux pas qu'on va faire comme les riches dans la maison. Comme les riches, et tu prends notre argent là, pour faire ce que je ne sais quoi. C'est pas sérieux de ça. Ah, oui, bonjour monsieur.